Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. En tout cas, ça va super bien. Là, aujourd'hui, je vais aller voir Kyo, là. Kyo qui est au commissariat, n'importe quoi, qui est à la caserne de pompiers. Voilà, la nouvelle caserne de pompiers qui s'est construite. Donc là, il y a encore eu d'autres travaux qui ont été faits. Voilà, donc, du coup, j'ai ramené mes panneaux. Ils sont là, les panneaux. Allez, hop, on va s'abonner. À la chaîne YouTube, on met un gros pouce bleu. On va sur la boutique, parce qu'il y a la boutique. Et sur le Discord, voilà. Alors, du coup, hop, on va aller voir Kyo. Et je sais pas, c'est la caserne. Ou déjà la caserne, je m'en rappelle plus. Bref. La voiture, elle est ici. J'ai exactement la même que Kyo. C'est fou, ça. Exactement la même. Allez, on y arrive. Où c'est que c'est? Déjà. Droite. Gauche. Voilà. Et je commence à connaître la ville. Et la caserne est ici. Ah ouais, il y a un étage de plus. Wow, stylé. Je peux me garer. Yo! Yo! Il est où? Yo! Bonjour. 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 Monsieur Lumière, c'est ça? Oui, exactement. Enchanté de vous rencontrer. Bon, ah. Enchanté. Bah, il est là, Kyo. Si vous voulez le savoir. Salut. Salut. Est-ce que je peux me garer à l'intérieur? Ouais, attends, je vais trouver. Vas-y, vas-y. Je vais récupérer. Normalement, il n'y a pas trop le droit, mais bon, comme c'est toi. Ouais, mais je vais pas gêner, tu sais. Je vais pas gêner le passage. Attends, j'arrive à ouvrir. Hein. Pas de soucis. Attends, bon, qu'est-ce que t'en penses, la caserne? Ouais, je sais, t'inquiète. Mais tu peux te garer là, hein, si tu veux. Non, non, mais t'inquiète, je veux pas déranger. Je vais pas déranger, j'ai encore 2-3 trucs à faire. Et voilà. Mais rentre. Alors, ouais, je l'avais un peu déjà vu la dernière fois en vidéo, mais c'est vrai que t'as fait des nouvelles choses là. Ah oui! Une petite salle et tout. Alors là, je crois, dans les plans, ils avaient laissé ouvert pour faire la salle d'entraînement, mais après ça, ça peut. Oui, mais c'est ça après va se négocier. Ça va se négocier, ça. J'ai pas le budget encore. Wow, t'inquiète. C'est trop stylé. Moi, j'ai encore de la thune. Vous avez fait des trucs en plus, non, ou pas? Ouais. Il y avait un étage supplémentaire. Ouais, mais c'est pas encore fini du tout. Hein. C'est pas fini? Ah, dommage. Non, pas l'étage, si, il est fini, mais... J'arrive trop tôt. L'étage est fini, en soi, mais... Pour le moment, il y a rien dedans. D'accord. Ah oui, si, ça le fait. Hein. Là, il y a la petite barre. Ah ouais, attends. Je vais la tester, la barre. Ah ouais. Trop stylé. Faut avoir le réflexe. Ah bah oui, c'est sûr. Bon, bah écoute, nickel. Ah, attends, il y a Fuxi qui m'appelle. Allô? Oh. Yellow. Ça va? Moi oui, mais Sully non. Il se sent pas très bien. Ah, flip. Du coup, tu vas l'amener à l'hôpital, du coup? Ouais. Ah. À part que j'ai pas l'adresse. Ah, t'as pas l'adresse? Bah attends, vas-y, mais j'arrive. Attends. Kyo, tu peux m'ouvrir le portail? Il faut que j'amène Sully à l'hôpital. C'est ça? Faut que j'amène Sully à l'hôpital. Ouais. Attends, je viens, je veux les nouvelles. Ok, vas-y. À plus. Ouais, bon, en fait, moi, vas-y, je reviens c'est après bon avec lui. Allez, pas de soucis. À plus. Alors, où habite Fuxi? Parce que depuis, entre-temps, il s'est trouvé une maison, il a commencé à s'aménager tout. Alors, est-ce qu'il est là? Ouais. Salut. Ah, vas-y, rentre. Alors, mais qu'est-ce qu'il a? Non, il est pâle quand même. Hein. Allez, vas-y, monte. Il est pâle, le petit Sully. Voilà, à l'arrière. Bon, bah là, on va à l'hôpital. En plus, vous avez de la chance, il est juste à côté. Ah oui. Je n'avais pas vu. Bon, on va se garer, là. Moi qui n'ai pas de sens de l'orientation. Hein. Bah, va falloir, hein, parce que c'est une nouvelle ville. Hein. Ah, c'est bon, ouais. On va descendre. Moi, je suis trop habitué à l'ancienne ville où l'hôpital était... Ouais, c'est vrai qu'elle n'était pas à côté, l'hôpital. Ouais. Bon, alors, qu'est-ce qu'il a, le petit Sully? Il est un peu blanc, c'est l'accueil. C'est là. Bonjour. Punaise de papier, ça fait 2 ans que j'ai... Bonjour. Bonjour. Je viens pour cette personne-là qui bon, je crois que se sent pas bien parce qu'il est un peu pâle quand même. Qu'est-ce qu'il a? Je sais pas, t'as quoi, Sully? Mal à la tête au bidou. Ah. Bon bah, venez, on va voir ce qu'on peut faire. Bon bah, j'espère que c'est pas grave. Hein. Ouais, on vous suit. À l'étage. Oh là 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 là. Truc de fou. Allez vous installer là, vous. Les autres, vous restez.
Ah, on reste dehors. On reste dehors. Bon, bah, on va rester. Bon. Bon, bah, il a mangé un truc de mauvais ou comment ça se fait? Bah, déjà, quand on est rentré, il avait un caca nerveux. Ah. Bah, déjà, je l'ai senti un peu pâle quand même. S'il a une angine ou un truc dans le genre, je sais pas. Est-ce que c'est pas dû parce qu'il est resté longtemps dans un coin très humide dans l'ancien quartier? Sûrement. Ouais, sûrement. J'espère. Un problème d'asthme. Ah, peut-être. Et vous, les amis, qu'est-ce que vous en pensez? Par contre, qu'est-ce qu'il pourrait avoir, celui-là? Donc, mettez en commentaire ce qu'il pourrait avoir, et puis on attendra ce que le médecin va nous dire, quoi. Bon, en espérant que ça soit pas trop grave non plus. Exact. Mais bon, on sait jamais. Bon, ça prend un peu de temps. Est-ce qu'on peut les entendre? Ça fait un moment, quand même, qu'ils sont... Ouais, c'est vrai que ça fait un petit moment. Bon, je pense que c'est une auscultation. Je sais pas. Ah. Ah. Ouais. Oui, bonjour. Oui, bonjour. Ouais. Donc, c'est pas grave. Juste un peu mal à la tête. Ouais. C'est une angine. Ah, c'est une angine. Donc vous pouvez le voir. Oui. Bon, il a pas aimé le bonbon à la menthe que je lui ai donné, donc il pleure peut-être un peu. Ah. C'était peut-être un peu fort. Ah. Donc, faut peut-être que je vous donne. Ouais. Je vais vous prescrire des Doliprane. D'accord. Ça, on peut. Ouais, on ira à la pharmacie juste après. Elle est juste à côté. Voilà. Tiens. Hop. Hop. Ah, Doliprane. Ok, ben nickel. J'ai l'ordonnance. Bon, ben écoutez, ben nickel, monsieur. Merci de l'avoir ausculté. Et ma paye. Et ma paye. Vous devez me payer. Monsieur. Ah, ben ça, c'est via la carte vitale. Voyons. Ouais, mais faut payer quand même. Ah, celui-là, il va falloir que tu donnes ta carte vitale. Hein. Je crois qu'elle est chez lui. Ah, elle est chez lui. Bon, ben écoutez, mettez-le moi sur mon compte. Mettez monsieur le maire et puis je vous réglerai ça plus tard. Ok. Je vous ferai le virement. Ah. Il y a un papier. Des papiers, toujours des papiers. Voilà, voilà, voilà. Bon, bah nickel. Allez, bah, j'ai l'ordonnance. On va à la pharmacie du coup? Oui. Allez, c'est parti. Bah, revenez quand vous voulez. Y a pas de souci. Ça fait. En tout cas, merci. J'ai l'argent. Bon, allez, c'est parti. Voilà. J'avais pas mis le frein à main. Décidément. Il monte derrière. Allez, c'est parti. Alors, par contre, pour aller à la pharmacie, est-ce qu'on peut aller à la pharmacie? Oh, attendez, on peut pas passer. On peut pas. Je suis pas en essence interdite, c'est pas bon ça. Pas grave. Alors, pharmacie elle est là. C'est vrai que je l'avais vu. Il y a un parking à côté. Ah oui, c'est vrai, il y a un parking. Voilà. Oula. Il est complètement à l'ouest, mais il a réussi à avoir le parking. ça a glissé. Ah. Bon, bah nickel. Ah, super le stationnement, hein. On va recevoir une amende. Non, t'inquiète, c'est bon. Alors, est-ce qu'il y a quelqu'un? Ah, il y a personne. Bon. Bonjour. Il y a personne. Bah attendez, là, il y a des trucs. Il y a des trucs. Bah, on va prendre... Alvac. Oui. Il y a peu d'électricité. Ah, bah ça, c'est... Ah oui, bah, c'est après, peut-être c'est pas ça moi, qu'ils sont en train de régler. Alors, attendez, qu'est-ce qu'il faut qu'on prenne, là-dedans, là? Mal de tête, moi, je dirais Nurofen. Hein. Attendez. Après, le reste, c'est pour... Ibuprofène, peut-être, éventuellement. C'est très petit. Du Murofen plus. Non, pas du Murofen, t'es malade. Ouais, non, là, ça risque de faire un peu mal. Mais non, mais la petite boîte de Nurofen, là, ça peut être bien. Je vais regarder de plus près. Ah ouais, c'est vrai que c'est un peu petit, hein. Non, mais je pense que Nurofen, on peut... Ah, il y a du paracétamol. Aussi, ouais. C'est un peu comme du Doliprane, hein. Oui. Bah, vas-y, hop, je vais prendre une boîte. Hop. J'ai pris la boîte. Je vais laisser l'ordonnance voilà, au pharmacien qui viendra et puis il se débrouillera avec. Hein. Ah, bah t'as pris l'ordonnance. Vas-y, laisse-lui sur le bureau et puis voilà. Il viendra plus tard le récupérer. Voilà, voilà. Parce que normalement, ça, c'est des trucs gratuits. Si, hein. Voilà. Nickel. Bon, bah du coup, je vais vous ramener chez vous. Presque sous ordonnance, donc c'est gratuit, oui. Je vais vous ramener chez vous. Ouais, quand il y a de l'ordonnance, c'est gratuit. Tout à fait. Bon, allez, Allez, ouais, je vais vous ramener du coup. Bon, bah, du coup, on a le vous avez le Doliprane. Hein? Ouais. Ah, bah, celui-là, veut... Oh, bah, lui, il veut conduire. Bon, bah. Ça va aller? Oh là. Attends. Laisse, elle va conduire, Coco. Attends. On sait jamais. Oh là là. Il a failli péter un pare-brise. Ouais, surtout que lui, il faut que j'aille le faire réparer, le pare-brise, en plus. Ah, c'est interdit. C'est vrai, je viens de le voir. Heureusement qu'on a une entreprise Sarglass.
chez nous. Ouais, ça. Heureusement. On a été un peu embêté là. Hop. Allez, nickel. Allez, je vous ramène. Ouais, je vais aller rentrer chez Kyo et puis normalement bientôt j'aurai ma maison. Mm-hmm. Je vais la faire déplacer. Mais ça coûte cher. Hein. Hop. Ah mais attends, mais est-ce qu'on avait visité déjà ta maison, Uxie? Je sais pas. En tout cas, je l'ai fini il y a pas longtemps. Ah ouais? Ah, t'as fait quoi de plus? C'était très récent. J'ai fini très récemment. Ah ouais? Vas-y, vas-y, montre-moi tout ça. Bah du coup, ça c'est le garage, le grand garage où je stocke tous mes véhicules. Enfin, car si j'en ai besoin d'un, ils sont tous là. Oui, j'avoue. Ensuite, tu montes, t'as le grand espace séjour. Wow. Du coup, ouais. Avec le salon, la cheminée que j'ai fait construire, incroyable. Ah ouais, mais elle est magnifique la cheminée par contre. Ouais. Là, on dirait un peu l'ancienne, non, cheminée? Oui. Ici, j'ai un accès au balcon du premier étage. Alors, on va compter les balcons, je crois, parce que de loin, on les voit bien, les balcons. Ouais. Un balcon. Qui relie à l'autre côté. Ah ouais. Donc, à la salle à manger. Ensuite, ici, j'ai un espace librairie. Ouais. Oh, ouais. Comme ça, je peux stocker tous les différents livres que j'aime. Je vais essayer de te choper des nouvelles bibliothèques qu'on a trouvées dans un marchand. Et en fait, au lieu que ça soit du bois, c'est du blanc. Oh. Ouais. Bah, tu verras après, suivant. Après, j'ai acheté les formats demi. Ouais. Parce qu'il y a les formats maxi aussi. Ah ouais, ah oui. Effectivement. Donc, ouais. Alors, qu'est-ce qu'on... Le grand tapis. Oh. Alors. Ah, j'avais pas vu le haut quand même. Ah, aquarium, on va monter l'étage. Et ici, on a là. C'est la cuisine. Ah ouais, ah, la cuisine est à l'étage. Ouais. Vas-y, je vous envoie la bouffe. Cuisine. Ah. Grande cuisine avec son propre balcon, au cas où j'ai besoin balcon. De faire chauffer quelque chose à l'extérieur. Deuxième balcon, du coup. Nickel. Ouais. Ah, bah non, deuxième, du coup, troisième balcon. Ah oui, c'est vrai, j'ai un troisième balcon ici. Mais c'est une sacrée baraque. Qui relie à de l'autre côté. Et toi, les assurances, là Et ici, c'est mon setup. Ah ouais. Ouais, si, ça fait bien. Ouais, ah ouais. C'est stylé. Du coup, on peut monter. Un étage encore. Et ça, c'est ma chambre. Oh, mama. Et ça se voit que les assurances, ils ont été gâtés avec nous. Ah, et quatrième balcon. Ouais, il y a un quatrième balcon, c'est vrai. Bon, ici, c'est un peu plus... Ouais, mais c'est sympa, hein. Il y en a un cinquième. Parce que c'est l'endroit parfait pour bronzer. Il y en a un cinquième. Cinquième. Parce que moi, j'ai dormi là, et là, il y en a un autre. Ah ouais, cinquième balcon. En effet, c'est mon... Il y a cinq balcons dans cette maison. Non, mais j'avoue, c'est un truc de fou, hein. Et il y a un jardin. Ah oui, il y a un jardin. Et oui. La salle de bain et le dressing. Là, par exemple, il y a la salle de bain. Où ça? Avec ah oui, encore j'ai pas ma grande baignoire. Oh là 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 là. Ça, c'est la petite baignoire pour... Au cas où. Voilà. Quand t'es tout seul, une petite baignoire. Quand t'as plusieurs, la grande baignoire. Petite douche. En fait, il y a tout. Il y a la douche, baignoire, piscine. Ouais. Enfin, piscine intérieure. Mais j'ai tout. Ah, oh, j'aime bien. J'ai tous les instruments, au moins j'ai la place pour tous les mettre. Par contre, il y a un truc que j'adore dans le pressing, c'est le toit vitré. Pareil ici, là. C'est trop stylé. C'est vrai que c'est mieux le toit vitré, comme ça, t'as pas besoin de faire de fenêtre et être visible. Ben oui. Tu as la fenêtre au-dessus et personne peut regarder du dessus. Et là, bah, s'il y a quelqu'un qui est en hélico, oui, mais bon. Il y a le jardin. Ah oui, il y a le jardin aussi. C'est vrai. Attendez, je suis un peu perdu. Ah, c'est par là. Déjà, je me gourde d'endroit. Grand. Ah ouais, non. Et c'est ce que j'aime bien, c'est avoir de l'espace. C'est un sacré truc, hein. Alors, il est où le jardin? Tac, tac, tac. Le jardin, tu y as accès par là. Oh là 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 là. Piscine. C'est un sacré truc, hein. Avec le coin feu de camp. Oh là là là. Avec l'abreuvoir. L'abreuvoir. Trop stylé! Transat avec. C'est vraiment trop stylé. Et l'autre côté, t'as aussi des transats. Dès que tu sors de l'eau, tu te mets là. Aïe, aïe, aïe. Et t'as la table avec la table en verre avec les chaises. Et le barbecue. Oh, le barbecue. Là, par contre, du barbecue, j'en suis jaloux. Là. Ah oui, là, il est incroyable. Ah, c'est un truc de fou. J'ai acheté le plus grand possible.
Aïe, 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 aïe. Non, mais c'est trop bien. Franchement, j'adore. Et ça se voit que et les assurances, ils nous ont donné. Mais... Ouais, surtout que c'est un barbecue à gaz. Hein? C'est un barbecue à gaz. Ah ouais, en plus? Oh là là, trop stylé. Et là, j'ai vu un petit cheveu. Ah ouais, ça fait grand, en fait, hein. Ouais, ouais, enfin, ça fait très grand. De ce côté, je verrai pour voir si je mets pas une allée de fleurs ou je ne sais quoi. Ah ouais, avec des arbres, peut-être. Faudrait que je demande, aussi. Par contre, au niveau de la préfecture, si on peut mettre des arbres pour que ça dépasse dans un jardin. Mais... Ouais. Non, mais je suis là. Oui, ah. Mais... T'es où? Mais non, non, rec. Bah, je suis là. Ah, salut. Ah. Coucou. Bah, je suis là. Alors, la caserne, elle avance. Bah, on a fait la salle, là, de sport. Ah, nickel. Un peu long, tout ça. Bah, je passerai dans une prochaine vidéo. Bon, les amis, bon, on va en profiter. Il y a à peu près tout le monde ici. Bon, après, c'est vrai que le médecin, il est encore dans son hôpital. Là, il est encore en train de déprimer, le pauvre. C'est vrai, vous étiez chez le médecin. Par contre, j'ai entendu... Le médecin. Ouais. Tu me montreras la caserne. Bah, je te la tout montrerai. Ah, tout de suite. Oui. Ah, vas-y, hein, on va voir la caserne. Elle est où, ma voiture, dans tout ça? Ah, elle est là. Tu l'as garée... dans mon grand garage. Bah, viens Kyo si tu veux, si t'as pas... Ouais, attendez, je réponds à un message de mon copain sur mon iPhone. Ah. Il m'énerve un peu, là. Ah ouais, bah mon machin. On sait jamais, là. Allez, bon. Je suis là, les collègues. Allez, nickel. Allez, on va aller voir la caserne pour les autres. Ça fera... Bah, de toute façon, il y a toujours mon collègue. Ah, d'accord. Vous étiez en train de faire des sirènes, des essais de sirènes, non, tout à l'heure, parce que je vous ai entendu. Oui, oui, mais t'inquiète. D'accord, alors... Ouais. Il faut toujours les clés, là. Je vais mettre là, toujours au même endroit. Alors. Alors, montre-nous la caserne aux autres. Moi, ça va, je l'ai visité, mais... Non, mais c'est vrai que je suis content de la caserne. Ah, oh, bonjour. Oh, bonjour. Bonjour, bonjour. Bonjour. Rentrez dans mon humble caserne. Fais-leur la visite. Oh, on va ça voir. Ça quelque chose. Tu peux leur montrer la magnifique salle de sport que t'as fait. Ah ouais. Ok, allez, oui, la salle de sport là que j'ai pas vue là parce que vous étiez en train de. Voilà la salle de sport. Oh wow. Non, mais non, mais sans déconner, c'est trop bien. On a fait un petit mur de sport. Un petit mur de sport. Oh, mais oh, c'est pas grand chose. Yo, est-ce qu'on peut revenir souvent dans la salle de sport? T'inquiète. Bah, vous pouvez rentrer. J'ai envie d'escalader ce machin. Mais c'est un truc de fou. Artisanalement, par nos soins. Donc là, nous avons les petites haltères, les petits tapis de course. Ah ouais, non, voilà. Franchement, c'est trop bien fait. Et si vous venez avec moi, nous avons le coin calme. Le coin calme avec le baby-foot et tout ça. Ah ouais, là-bas. Ensuite, bien évidemment. Le centre d'appel. Ensuite, bien évidemment, les serveurs pour recevoir les appels, mais les murs sont pas finis. Oh, les serveurs magnifiques. Les murs ne sont pas encore finis. Ça n'est que tardé. Oh purée, non mais c'est fou. Ah, faut pas... Attention. Ah, faut pas tomber. Attends, il y a l'étage encore. Ouais, mais j'ai rien fait. Il est pas encore fait, il est pas encore préparé. Non mais franchement... Il y a encore rien fait. Franchement, les amis, la caserne, on va la noter sur 20. Parce qu'en général, on a toujours le truc pour dire on va noter tous les trucs sur 10. Là, on va la noter sur 20. Et franchement, je vais pas vous mentir, pour la caserne, je mets un 50 sur 20. Voilà. 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 Non, mais... d'escalade, il fait tourner. On regarde les serveurs et tout. Oula, ça va? Alors, ça va? Ah, c'est trop bien, la petite descente. Ouais. Eh, prenez la rampe. C'est trop bien. Ici, c'est pas encore fait, c'est pas encore fini. Ici, c'est la petite salle d'attente, comme vous pouvez voir. Et si vous venez par ici, là, c'est les salles d'accueil avec tous les écrans, les téléphones au cas où s'il y a un souci. Nickel. Et là, il y a les garages, avec toutes les voitures. Monsieur magnifique. Bon, il en manque deux. La petite alerte. Ah ouais. Oula. Non, ça va s'arrêter. Normalement, c'est des systèmes qui s'arrêtent. Oui, voilà. Au cas où s'il y a un petit souci. C'est à l'arrière. Attention. Donc là, la petite alarme. Donc là, la petite alarme au cas où s'il y a de la fumée. Ah oui. Ici en haut. Ça, c'est obligé dans les ERP. Oula. Elle marche bien, c'est bon. Ouais, c'est bon. Ça devrait s'arrêter un moment. Mais non, non, mais c'est moi, c'est de mon côté. Ah oui, c'est vrai, il y en a. C'est tout. Mais en tout cas, c'est tout pour cette petite caserne. C'est pas encore fini, il manque beaucoup de choses. Et bah, franchement, c'est stylé. Voilà. Moi, j'ai rien d'autre à dire. C'est que tarder l'avancement est en progrès. Bon, bah, je vous dis au revoir, messieurs. Bah, au revoir bientôt. Je pense qu'on va rester avec lui. On reviendra très prochainement. Bah, pas de soucis, d'accord. Attends, mec, regarde, on est en face de quoi là-bas? Ah putain, mais ça va être chez moi en fait en plus. Bah oui.
Ah mais d'ailleurs, c'est vrai qu'il y a ma maison pas loin, elle est juste là, ma maison. Après vous, c'est normal, hein, faut que vous soyez à côté de la caserne en cas d'alerte. Hein. Bah oui. Et Alvac, moi aussi, je suis à côté. Il y a le feu chez toi. J'avais pas vu le panneau 18, il est incroyable aussi. Ouais, c'est vrai que le panneau 18, il est bien aussi, ouais. J'avoue que... Il est pas mal. D'ailleurs, Alvac. Oui. Alvac. Avant, il y avait des maisons ici. Ouais, je les ai fait détruire. Ouais, le maçon et tout. Le maçon, il est venu, je l'ai aidé à détruire et tout. Bah celle-là, elle a été rénovée, ouais. Ouais, j'avais demandé à ce qu'elle soit refaite parce que j'ai remarqué qu'elle faisait partie de la mairie. Donc j'avais demandé à ce qu'elle fasse, qu'elle soit refaite. Oui, c'est vrai. Moi, je retournais travailler. Bah pas de souci. Cette visite vous a plu ? Oh bah totalement, ouais. Franchement, salle de sport, je vais y revenir. Très intéressant, t'es génial. La salle de sport. Venir faire du sport, voilà. Ah mais totalement. Bon bah écoute. Bonne fin de journée à tous. Au revoir. Bon bah Sully, Fuxi, je vous ramène, du coup. Kyo, est-ce que tu veux que je te ramène chez toi, du coup? Non, je dois continuer le travail, tu sais. D'accord. J'étais parti acheter un marteau, là. Ah. On aurait dû lui donner ses médocs avant de partir, sérieux. C'est vrai. Bon, bah, il va falloir nettoyer. Je suis là. Ah, c'est bon? Et voilà. Ah, bon, bah, allez, à plus. Allez, à plus. Bon, allez, je vous ramène chez vous, et puis je vais faire mon outro chez vous. Allez, je vais être fou. Voilà, je vais faire le foufou. C'est où déjà? Allons tous chez moi. Ah, plus on est fou, plus c'est mieux. Ouh. Oh, j'ai peut-être pas rentré la voiture, je vais la mettre dehors puisque je vais repartir dans pas longtemps. Donc... Ouais. Au cas où, hein. C'est au cas où. Bon, bah, écoutez, c'est vrai. Écoutez, les amis, ben, on va faire l'outrou ici. Hein. J'espère que la vidéo vous aura bien plu, franchement. Et la caserne de pompiers, mais c'est un truc de fou. Elle est géniale. Oh là là, je suis choqué. Bon, en tout cas, les amis, si la vidéo vous a bien plu, mettez un gros pouce bleu, abonnez-vous, ça nous ferait super plaisir. Et nous, bah, du coup, on va se dire à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Hein ? Allez, ciao, ciao ! Bravo ! Au revoir.